Culture Radio, émission La Cour. Quels sont vos noms, prénoms, dates et lieux de naissance? Des chefs d'accusation sont retenus contre vous. Et vous serez écouté par un juge populaire qui a pour mission de faire régner le droit. Vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure, je suis prêt à dire toute la vérité, rien que la vérité. Plusieurs artistes et personnalités sont annoncés sur le banc des accusés. Coupable ou non, le verdict sera prononcé tous les mercredis de 18h à 19h sur Culture Radio. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Bonsoir Cotonou, bonsoir le Bénin, bonsoir tout le monde entier. Merci surtout de rester scotché à Culture TV, Culture Radio. Très content de vous savoir toujours à l'écoute de votre télévision, également de votre radio, en tout cas vous qui nous suivez de par le monde entier. Nous sommes encore là pour le même exercice. On reçoit aujourd'hui, comme d'habitude, un artiste ou une personnalité culturelle. Et pour le compte de ce numéro, nous recevons une personnalité culturelle. Dans un instant, on va le connaître. On va connaître bien sûr cet acteur culturel et aussi plusieurs chefs d'accusation sont retenus à son encontre. On aura lecture dans un instant avec le procureur de cette cour, Jécris Salité. Bonsoir à vous. Bonsoir, votre honneur. Accusé déjà à la barre, nom, prénom, date et lieu de naissance. Bonjour. On m'appelle Jiroko, alias Dagota. Date 20 février d'une année et à Cotonou. On a bien sûr suivi et il sera assisté par son avocate, c'est bien sûr Maître Sonia Gitibi. Bonsoir également. Bonsoir, votre honneur. Plusieurs chefs d'accusation sont retenus à son encontre, je le rappelais, on va en suivre cela dans un instant avec le procureur. Mais avant de passer à l'exercice, on rappelle à ceux qui nous suivent, qui sont bel et bien sur Culture TV, Culture Radio. Alors accusé, vous levez la main droite et vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Les chefs d'accusation, maintenant avec vous, procureur, on peut avoir lecture. Merci votre honneur, merci à toutes et à tous. En premier lieu, on aimerait savoir quel est le statut de Da Dagota dans le show business béninois. En deuxième, il lui est reproché de gagner malhonnêtement de l'argent sur le dos de certains artistes en vogue. Et en troisième position, Da Dagota est toujours au cœur des conflits entre acteurs culturels. Ce sera tout votre honneur pour les chefs d'accusation retenus à l'encontre de l'accusé si présent. Culture Radio, Culture TV, c'est parti pour séquence 5 minutes de change. On va toujours vous rappeler ceci pour nous écrire via WhatsApp. C'est le numéro suivant, plus 229 91 00 73 73. Sur Facebook, vous nous retrouvez à l'adresse Culture TV et sur c'est le site web, c'est www.culture.tv. Premier chef d'accusation, on est à présent, on parle là de Da Dagota. On dit que vous êtes accusé de n'avoir aucun statut dans le showbiz béninois. Qu'en dites-vous? D'abord, je ne sais pas ce que vous mettez dans statut. C'est quoi la fonction que j'occupe, c'est ça? Ou le rôle que vous jouez dans le showbiz béninois. J'ai été manager d'artistes, j'ai été chroniqueur culturel dans certains médias, j'ai été animateur radio, j'ai été chroniqueur radio dans certains médias, je suis influenceur web, je suis actuellement rédacteur en chef d'un média digital, donc voilà. Dans le chef d'accusation, je vais le rappeler encore, vous êtes accusé de n'avoir aucun statut dans le showbiz béninois, c'est-à-dire de n'avoir aucun rôle précis dans le showbiz béninois. Qu'est-ce que vous en dites? Je viens de lister les choses. Vous avez listé les choses, ça, c'est un peu confus. Précisément, vous faites quoi dans le showbiz béninois?
je viens de lister les choses que je fais. Si ça peut vouloir dire que je ne fais rien, c'est à l'actif de ceux qui jugent. Vous voyez, il y a des gens, chacun est dans son rôle. Hein. Il y a des gens qui ne font rien. Et leur rôle, c'est de pouvoir dire telle personne ne fait pas ci, telle personne ne fait pas ça. Moi, je ne m'occupe pas de cela. Moi, je sais ce que je fais au jour le jour. Je sais l'impact que j'ai sur ma communauté, mes gens. Et voilà. Donc, je à votre honneur, si vous le permettez. Moi, j'ai envie de savoir de la part de l'accusé. Déjà, vous vous définissez en tant que quoi? Je me définis en tant qu'acteur culturel. Je peux faire beaucoup de choses. Je peux faire beaucoup de choses. Donc, dès qu'une occasion se présente pour que je fasse quelque chose, j'ai déjà été booker, j'ai déjà été tourneur. J'ai tourné des artistes ici et au-delà du Bénin. J'ai été booker d'artistes pour de grandes structures du pays, MTN Move, la brasserie. J'ai tourné. Je pense que je suis le jeune qui a fait plus tourner d'artistes dans le Bénin que tout le monde. Oui, mais quand vous parlez d'avoir fait tourner, vous, est-ce que vous avez fait tourner en tant que booker ou est-ce que vous avez juste accompagné des gens sur du booking? On veut savoir. Et la question n'est toujours pas répondue, monsieur. Moi, j'ai été booker officiel de MTN et de Move sur 3-4 ans. Sur la tournée 3G de MTN. Bon, peut-être c'est à une certaine époque, les gens qui peuvent donner ce genre d'argumentation n'avaient pas encore un smartphone dans la main. Ils ne savaient pas. Parce qu'à l'époque, nous, on n'avait pas encore Internet. Tout le monde n'avait pas encore assez Internet. Nous, on faisait des choses. Moi, j'ai été booker officiel de MTN sur la tournée 3G de MTN. Vous l'avez rappelé encore? Ouais, je le dis. Parce c'est que quand tu fais des choses et que des gens restent dans leur salon et se permettent de dire des choses. Moi, je n'ai pas pour habitude de répondre aux gens. Les gens m'ont invité sur des médias pour répondre sur telle ou telle chose qui ont été dites sur moi. Je ne réponds jamais parce que je me dis, chacun dans son rôle. Vous voyez, quand tu fais quelque chose et qu'à un certain moment de ta vie, les gens ne viennent pas à critiquer, c'est que tu ne fais encore rien. C'est quand tu commences à impacter que, ah ouais, on trouve à dire oui, mais il aurait pu faire comme ça, il aurait pu faire comme ça. Quand ça arrive à parler ainsi, il faut savoir que si tu es sur le bon chemin et que tu dois foncer. Oui, d'accord, vous avez raison d'étaler tout ce que vous étalez, mais de façon primordiale, de façon principale, si on a envie de coller une étiquette... Malgré tout ce que j'ai dit maintenant, que je ne fais rien, c'est que vous n'avez pas envie de voir. À aucun moment on a dit que vous ne faites rien, mais est-ce qu'on a envie de coller une étiquette précise et principale à Dada Gotor, qu'est-ce qu'on dit? Parce que vous c'est n'allez pas à moi pas, de me donner l'étiquette qu'on va me coller. Vous n'allez pas nous dire de choisir parmi toutes les fonctions pratiquement que vous avez occupées ou tous ceux dont vous êtes un peu vous faites rien promener parce bah, qu'en si somme, faire beaucoup de choses c'est ne faire rien. Si faire beaucoup de choses c'est ne faire rien, je ne fais rien alors. Donc ne vous appelez pas acteur culturel. Eh ben, et ne venez pas. Moi, je ne suis pas. Ce n'est pas à moi de dire je fais. Vous avez cité des choses maintenant. On va me donner telle étiquette. Il me demande quelle étiquette je me donne. Vous n'avez pas dit. Je lui ai cité. S'il vous plaît. Je lui ai cité. S'il vous plaît. D'accord. Je lui ai cité. Vous m'écoutez les encore. Que je fais. Vous m'écoutez. D'accord. Oui. On est au début de ce procès. Mm-hmm. Vous allez quand même respecter ces principes de la maison. On vous le demande ouvertement. Mm-hmm. Ici, on vous voit. Ici, on essaie d'être courtois. Et on dit ce que doit être dit. Donc, vous nous présentez rapidement ce qu'on veut. Et je voudrais revenir sur la question. Vous faites quoi en réalité? Parce que vous avez listé des choses. De citer, vous n'avez pas pris. C'est comme si vous voulez monter. Vous êtes le seigneur de ce secteur. Je n'ai jamais vous dit que j'étais le seigneur. J'ai dit, j'ai été chroniqueur radio. Mm-hmm. J'ai été rédacteur, d'accord, de chroniques dans des médias qui existent, qui peuvent être consultés. J'ai été manager d'artistes. J'ai des contrats avec des artistes. J'ai été booker. J'ai été tourneur d'artistes. Maintenant, si pour ça, si avec tout j'ai ça, été, on vous avez dit que... mais non. J'ai été. Oui. Mais le présent, on en est où? On en est où? Ah ben vous dites, vous me demandez, c'est quoi la fonction que j'occupe? Quelle est dans l'étiquette le principale que vous avez? Parce qu'est-ce que qu'on appelle étiquette? On n'a pas. Étiquette, c'est vous n'avez pas de leçon à. Vous n'avez pas de définition possible à donner à quelqu'un par ici. Non. Une question à poser. J'ai l'impression que la personne qui pose la question ne connaît elle-même pas ce qu'on appelle étiquette. Votre honneur. Ce qu'on appelle étiquette, c'est la vie que les gens ont de vous. Votre honneur. C'est ce que les gens. Votre honneur. Je vais de vous. Votre honneur. Vous me permettez. Je vais demander à l'accusé et à son avocat de bien vouloir donner en fait sa définition des choses sans ne pas vouloir porter atteinte ou sans ne pas vouloir faire de manquement à l'endroit de la cour.
que nous maîtrisons ou pas, ce n'est pas le plus important. Et vous n'avez pas à pointer cela du doigt. Vous avez juste à donner la réponse aux questions qu'on vous pose. Et quand on vous parle d'étiquette que vous portez actuellement, c'est le rôle que vous occupez. Si vous êtes mille choses à la fois, que moi j'ai besoin de vos compétences dans un domaine ou que je ne vous connais pas, par quoi je peux vous identifier tout de suite? J'ai été. C'est beaucoup de choses. C'est vague, monsieur. Par rapport à ce que je fais maintenant. Et actuellement, avant de vous laisser continuer, j'aimerais quand même, par rapport au manquement que vous avez eu à l'endroit de la cour, à l'endroit de certains membres de la cour, que vous présentiez vos excuses. Parce que de dire qu'on ne maîtrise pas ce que nous avançons, c'est un peu un manquement à l'endroit de la cour. Moi je ne trouve pas ça comme étant un manquement. Je le dis, vous avez compris maintenant. Je pense maître, que pour la suite du débat, on vous demande. Ok, excusez-moi. D'accord. La cour, excusez-moi. Excuse acceptée. On peut continuer. D'accord, on continue. Maintenant, si c'est la question est de savoir ce que je fais actuellement, je suis directeur artistique et général manager du label de Mr Blaze. Actuellement, j'ai été recruté à Blue Diamond dans leur section et médias en tant que rédacteur en chef de Blue Life. J'ai signé des contrats avec plusieurs artistes qui vont être développés dès ce mois. Donc, si on déjà, comprend bien, bientôt, pour ne pas vous laisser. Je peux aller au fond, de la question. Ne nous ennuyez pas avec tous ces super. Vous me posez une question, j'essaie de répondre, mais vous me bloquez. On a dit ce qu'on veut. Actuellement, vous avez signé à Blue Diamond. N'est-ce pas? D'accord. Non seulement à Blue Diamond, mais également au niveau du label de Mr Blaze. En tant que directeur artistique. Vous chevauchez partout. Manager général. Vous cherchez partout. Je ne cherche rien. Je suis tranquille. Les gens viennent me solliciter. Ce n'est pas ça. Vous cherchez partout. Je ne cherche rien. Je suis tranquille. Les gens viennent me solliciter. Vous allez me reprocher ça. Vous allez me reprocher aux gens de me solliciter. Non, je n'ai pas dit non. Certaines compétences dans certains domaines. Je n'ai pas dit non. Et mais comment vous pouvez dire que je cherche partout? Je ne comprends pas. Finalement, vous n'êtes pas stable dans le milieu. Qu'est-ce que vous appelez à être stable dans le milieu? On ne pose pas de questions par ici. Vous répondez à ce que nous n'avons pas à vous répondre. Vous êtes dans une posture. Il a juste besoin un peu de je ne comprends pas. Vous comprenez, nous n'avons pas à nous expliquer. Non, je ne comprends pas. Parce qu'on vous dit quelqu'un est sollicité. Je ne vais pas faire coco à quelqu'un. Je suis tranquille, mon téléphone sonne. On me dit j'ai besoin de toi pour telle chose. Est-ce que tu peux faire ça? Si ça m'arrange et que je vois l'opportunité d'apporter un plus dans ce qu'on me propose, j'accepte. C'est pas tout ce qu'on me propose que j'accepte. D'accord. Il y a des artistes de renom qui veulent que je travaille avec eux et je refuse. Je dis je ne peux pas parce que soit je n'ai pas les compétences pour travailler avec ces gens-là, soit ça ne m'intéresse pas de travailler avec eux. D'accord. Dites-moi maintenant une question simple. Sur votre calendrier, qu'est-ce qui est inscrit comme activité? Je suis communicateur. Communicateur. Oui. D'accord. Là, c'est plus simple. C'est précis. Là. Ah non, mais ce que j'aimerais là, que la précis. Cour. Non. Ce que j'aimerais vous que voyez la maintenant cour. Qu'on est venu sur un terrain où vous êtes maintenant précis. Non. J'aimerais que la Cour se rende compte du fait qu'au Bénin, en République du Bénin, il n'y a pas encore une dénomination précise pour aucun métier de la culture. Aucun métier. Qui disent quoi? Il n'y a aucun détenteur d'une carte d'identité nationale qui va dire qu'il fait. Qu'il est le métier acteur culturel n'existe pas à la préfecture de Cotonou. Donc si je fais un métier de la culture, ça ne va pas figurer sur ma carte d'identité parce que ce n'est pas encore légiféré ici. Pourquoi au début on vous a posé la question, vous n'avez pas dit simplement je suis communicateur? Non, mais vous m'avez invité, la référence maintenant qui vous identifie, vous m'avez, actuellement l'émission traite avec des acteurs culturels du monde du showbiz. Je parle de mes activités. Un communicateur peut se retrouver dans les activités liées aux showbiz. Un communicateur peut se retrouver dans le milieu. Ah non, mais un communicateur peut se retrouver dans ce milieu. Mais je ne fais pas de la communication dans le showbiz. Oui. Je suis manager d'artiste. Je suis truc là dans. D'accord. C'est bon. On sait que vous avez un CV fourni. Vous l'avez longuement étalé. Mais on voulait avoir plus de précision sur les exercices de vos fonctions actuelles. Et on a été servi. On a été servi manager général, directeur à un autre endroit. Je pense que c'est assez bien. Et pour ma part, on a ce qu'on voudrait. Je pense qu'on. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'accusé d'Agbuto, on comprend par là qu'il travaille ici, il est là, il est ceci, il est sollicité à tout moment. D'accord. Et également, les gens seront servis sur son statut.
D'accord, c'est très important de le rappeler. On va évoluer parce que là, on n'était qu'à la phase introductive. Hein. On passe maintenant au chef d'accusation numéro 2. Il est reproché à l'accusé de gagner de l'argent malhonnêtement sur le dos de certains artistes en vogue. Vous dites quoi à ce niveau? Bon, je ne sais pas ce que je dois dire là. Je ne sais pas. Est-ce qu'un artiste est plein? Bon, votre honneur, vu que l'accusé ne sait pas de quoi nous parlons, on va étaler les sujets parce qu'il y a plusieurs sujets qui lui sont greffés. Le tout dernier, c'est votre séparation d'avec la maison Mecoprod où on vous aurait accusé d'avoir détourné une certaine somme de 1 million. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Bon, déjà, je pense qu'à l'époque, je n'ai pas voulu répondre comme d'habitude parce que je n'aime pas répondre à ce qui se dit. Peut-être parce que vous reprochez quelque chose. Parce que beaucoup de choses se disent, les gens disent trop de choses sans pouvoir apporter des preuves. Vous savez, moi, je suis dans une logique où quand je collabore avec un jeune comme moi, je ne rentre pas dans certaines considérations avec elle. Je ne suis pas trop rigide par rapport au terme de notre contrat. J'ai un contrat avec la structure Mecoprod qui fait de moi le manager général de la Mecoprod, d'accord? Meco, c'est mon jeune frère. Et jusqu'à aujourd'hui, on a de très bonnes relations parce que c'est vous qui le dites maintenant. On s'appelle tout le temps, on s'est encore appelé hier. C'est pas s'appeler qui a la question, c'est non, vous qui le dites. Moi, je vous dis, on a de très bonnes relations. Allez, on veut comprendre maintenant, au fond de... D'accord, donc on a de très bonnes relations aujourd'hui. Je lui reproche son immaturité et sa mal connaissance du showbiz. Ça veut dire en général. Vous l'injuriez. Non, ce n'est pas de l'injure. C'est de l'injure. Pas d'immaturité. Dire que quelqu'un est immature dans un domaine. C'est pas de l'injure. On peut trouver d'autres termes. C'est dire que en tant que leader, d'accord. On peut trouver d'autres termes. Quand tu es. Non, moi, c'est le thème que j'ai choisi. Parce que c'est le thème qui m'est venu. C'est de l'injure. C'est vous qui voyez. Donc, laissez-moi aller, s'il vous plaît. On va lui concéder ça. Comme ce sont ses propos. De mon propos. Donc, quand tu es directeur d'une organisation où il y a 2-3 personnes, la valeur ajoutée la plus primordiale, c'est ta façon, c'est ton aptitude à pouvoir gérer les conflits, à pouvoir gérer les problèmes quand ils viennent. Parce que là où il y a 2-3 personnes qui sont réunies, il y a toujours des problèmes. D'accord. D'abord, moi, je suis venu aujourd'hui avec des preuves. Parce que j'aime parler avec preuve. Oui. On a dit Dada Boto a détourné de l'argent. Parce que ce qu'on appelle détournement, c'est prendre de l'argent qui est destiné à quelque chose et l'investir dans autre chose. D'accord? Je me rappelle. Ou le mettre dans sa poche. Voilà, ou le mettre dans sa poche. Voilà. Donc, il m'a été reproché par rapport à des fonds qu'on aurait pris au fonds d'aide à la culture. Je voulais rappeler que on a fait un concert au stade, au Palais des Sports. 8400 places qu'on a remplies. Je pense que c'est la seule maison de production qui a réussi cet espoir au Bénin jusqu'à aujourd'hui. Il n'y en a pas eu de musique urbaine. Comment on n'est pas à ce sujet? On a fait un concert, d'accord? Un concert que j'ai entièrement organisé moi-même. Donc, il n'y a pas eu d'autres explications. Laissez-moi parler. Vous voulez me laisser parler? Non, on veut comprendre. Je veux donner des preuves. Nous, on doit forcément vous apporter de la relance. C'est normal, c'est donc, évident. Hein. Allez-y. C'est un concert qui coûte, selon mon budget estimatif, 16 200 francs. D'accord? Un concert sur lequel j'ai été sollicité. Vous pouvez passer les documents pour qu'on j'ai été sollicité en tant que... Parce que... Vous savez comment ça se passe? Quand tu es un producteur, d'accord? Tu es un producteur, tu veux organiser un spectacle, tu mets de l'argent à la disposition des organisateurs du spectacle. Soit tu as les ressources pour organiser le concert, soit tu invites quelqu'un qui a les ressources pour organiser ce type de concert, tu lui mets de l'argent à disposition pour qu'il puisse organiser le concert, d'accord? Dans le cadre de notre concert, moi, j'ai joué le bon et le mauvais rôle à toutes les étapes. Je n'ai reçu aucun franc de la production pour organiser ce concert. J'ai organisé ce concert en réunissant mes contacts, des gens que je connaissais, des gens qui pouvaient nous aider en matière de sono, en matière de lumière, en matière de location de salle, en matière de logistique, en matière de stratégie. On a été les seuls artiste de la musique urbaine à avoir reçu
3 millions du fonds d'aide. Bon, tous les documents ont été faits en mon nom. Parce que c'est moi qui suis porteur du projet. D'accord, j'ai écrit un projet parce que si mes copros étaient une structure qui avait de l'argent, j'allais les assigner. Parce que quand on te dit, on dit à la face du monde que tu as détourné de l'argent, c'est comme si j'ai pris l'argent de mes copros que j'ai utilisé à d'autres fonds. Face à lui, aujourd'hui, à l'heure où on parle, je suis, parce que vous voyez bien, on a mis accord de financement à M. Girocon. D'accord. Aujourd'hui, si la brigade économique et financière devait inviter quelqu'un à la barre aujourd'hui pour justifier de l'utilisation de ces fonds, c'est Girocon qu'on va inviter. On ne va pas inviter Mekopod. D'accord. Donc, c'est un concert que j'ai organisé avec mes moyens, je vais dire. Avec mes moyens. Comment? Qu'est-ce que vous avez dit par là? C'est ce que je vous explique. Vous avez eu l'apport des arts. Quand je vous dis mes moyens, j'ai sollicité l'apport. Je vous dis, le concert a coûté 16 millions. D'accord. On a un budget de 16 millions. Oui, on a eu 3 millions en apport du Fonds des arts. D'accord. Quand, si quelqu'un... Moi, j'aime... Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire de façon publique pour ne pas rentrer dans certaines considérations. Quand tu prends de l'argent chez l'État... C'est pas tout le monde qui prend l'argent là-bas. D'accord. Et vous savez, on est au Bénin. D'accord. Quand tu prends de l'argent dans ces instances, quand tu ne connais pas, d'abord, je ne sais pas comment on écrit, on rédige, parce qu'il y a une procédure à suivre. C'est des gens qui t'aident à rédiger la procédure, à rédiger les documents, à fournir, à savoir comment on fait les documents. Ces gens-là, il faut les rétribuer. Quand tu as eu, nous, les sous du fonds, on les a eu la veille du concert. Tu peux avoir le chèque du trésor, arriver au trésor, on va te dire que l'argent n'est pas au trésor. Il y a des gens que tu dois connaître qui vont te dire, ah, viens, je connais quelqu'un qui peut te faire voir, quelqu'un qui peut nous sortir l'argent illico. Ces gens-là, il faut les rétribuer. C'est vous, d'accord, qui le dites, hein? Donc, c'est comme ça, ça se passe. Ceux qui ont déjà... C'est un réseau alors que vous avez, ça, que vous connaissez. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça se passe. Si les gens ne sont pas informés, c'est vous qui nous informez. Je vous informe, c'est comme ça se passe. Allez-y. Maintenant, moi, je fais un concert, d'accord. Je sollicite mes moyens, mes relations. On n'a pas payé le palais des sports. On a juste payé l'électricité au palais des sports. Ça, c'est mes relations. Ils ne connaissent pas par qui on est passé. Je les ai amenés voir le ministre de la Culture. Ils ne connaissaient pas le ministre de la Culture. Oui, mais c'est mes relations. Laissez-moi aller au bout de mon argumentaire. Allez-y. Et surtout, soyez concis. Soyez concis, s'il vous plaît. J'ai amené... Parce que quand Mekoprod... Parce que j'aime parler en tant qu'entreprise. Mekoprod, la structure Mekoprod, m'accuse, moi, Giro, d'avoir détourné 1 million. Alors que ce que j'ai apporté dans ce concert... est au-delà de 5 millions en matière de d'investissement indirect que j'ai fourni par rapport à des relations personnelles que j'ai. Maintenant, quand on prenait les sous, j'ai informé le producteur que quand on va prendre les sous, il y a telle personne qui doit prendre tant dedans, il y a telle personne qui doit prendre tant dedans parce que telle personne a joué tel rôle, telle personne doit prendre tant dans les sous. Parce que moi, je m'étais déjà arrangé en tant qu'un bon manager pour que le concert soit bouclé avec pratiquement moins de 500 000 qu'on devrait débourser. On a payé d'autres sous et tout. Et c'est les duplications des CD des artistes. Les CD sont encore avec eux. Les duplications qui ont coûté près de 2 millions. Et la conception des masques. Sinon, tout le concert... Moi, je me suis arrangé pour qu'on l'ait à moins de 500 000. Donc, on a eu sono, podium, lumière, location de salle, tout ça à moins de 500 000. Mais partant, bien sûr, Partant d'un budget prévisionnel de 16 millions. D'accord. Donc, maintenant, j'ai fait tout ça, je leur ai dit, parce que la collaboration que j'ai avec eux, ce n'est pas une collaboration, parce que moi, je sais qui je suis, je sais, ce n'est pas être imbu de sa personne, mais je connais... le relationnel que j'ai et je l'ai acquis au fil des années. Pour pouvoir l'avoir, je peux le monnayer. Je peux dire, ouais, si je veux t'organiser ton concert, donne-moi 10 millions en tant qu'organisateur, promoteur, organisateur de concert. Je ne leur ai pas demandé ça. Parce qu'en réalité, c'est à l'actif de mes copros d'après qui est fait de trucs là. Ce que moi, je gagne, c'est la street credibility, c'est tout. Mais vous faisiez partie de l'écurie à cette époque. Je ne suis pas obligé. Je peux faire partie d'une écurie
et dire que, ok, si je dois te faire ramener de la sono, tu dois payer la sono forcément. Et je l'oblige à payer la sono. On peut maintenant vous... Parce que la sono, le gars qui fait la sono me donne une facture. D'accord. Je pourrais dire non, je ne paye pas. Je pourrais dire non, je ne prends pas en charge. On vous a bien écouté. Maintenant, je vais aller au bout de mon argument. Allez-y, parce que le procureur en question. Maintenant, on devait aller au Canada pour une tournée, d'accord, avec Tiaf, sur un festival. Donc, dans la période où on devait aller, on devait effectuer le voyage, la maison avait besoin d'argent. Ah, on a commencé à me mettre la pression. Parce que moi, j'ai pris le solde, en réalité. J'ai pris le solde et il j'ai était, pris le solde. De combien? Le solde était d'environ, c'était de 1 million. 1 million. Mmh. J'ai pris le solde et j'ai géré les personnes que je devais gérer. Qui est qui? Vous n'avez pas besoin de savoir, c'était une liste. Je pense que vous, que le dites, producteur vous avez sait. Juré de dire la vérité. C'est la vérité que je vous dis, j'ai géré les gens. Qui est qui? Je n'ai pas besoin d'appeler des noms. J'ai géré les gens. Est-ce qu'il y a au moins de la traçabilité? Est-ce qu'il y a au moins de la traçabilité? Il n'y a pas de traçabilité dans ces genres de procédures. Alors là, il y a un problème. Non, il y a encore un problème. Quand j'ai un deal avec toi, et que avant de faire le deal, je te dis, dans le deal là, je vais donner tel à telle personne, je vais donner tel à telle personne, et que tu es au courant que je vais donner tel à telle personne, et qu'après je le fais, il y a aucun problème. Tu es au courant, tu es au courant même avant que le deal. On vous suit avant de poser des questions. Allez-y. Donc, j'ai réglé les gens. Je reconnais que les personnes que je devais régler, c'est à hauteur de 700 000. Je les ai réglés, il restait 300 000. Je devais leur faire le point des 300 000. Que je n'ai pas fait parce que à l'époque, j'avais eu un souci personnel et j'ai utilisé l'argent pour gérer ça. Mais je voulais leur dire... j'avais un autre appel de fonds que j'avais fait. J'attendais de l'argent. Et je savais que pour le voyage, parce que j'avais encore commencé des démarches pour qu'on puisse avoir des billets à prix préférentiel pour le voyage sur le Canada. Donc, j'étais en train de faire cette démarche quand ils étaient pressés, ils cherchaient l'argent, ils disaient, mais on n'a pas l'argent. Ils sont passés par derrière, ils sont allés vers des gens que moi, je leur ai présentés dans l'administration pour leur demander, c'est quoi que l'argent, est-ce que le solde est déjà sorti et tout. Et le gars leur a dit, le solde est sorti. Donc, Mekou m'a appelé, m'a dit, Daron, ils ont dit que le solde est sorti, tu ne m'as pas informé. J'ai dit oui, je ne t'ai pas informé. Excuse-moi, je devais te faire le retour par rapport à ça. Parce que j'étais en train de faire d'autres choses à l'époque. Je devais te faire le retour, mais on va se voir, je vais t'expliquer. Parce que je t'avais expliqué un certain nombre de choses. Je vais te faire le retour par rapport à ce qui a été géré et ce qui restait. Et par rapport à ce qui restait, moi, j'attends de l'argent. Quand l'argent va venir, je vais dire non. On doit voyager là, on a besoin de l'argent illico, comment moi je fais et tout. Je dis, mais attends, il dit, mais qu'est-ce que je dis au gars? Alors, je dis, mais tu es le boss, explique-leur que il y a eu des engagements qu'on avait pris, que j'ai honoré, c'est vrai l'argent reste, mais bon, moi j'attends de l'argent, mais si c'est par rapport au billet que vous avez besoin d'argent, je suis en train de dealer pour que quelqu'un nous offre un billet et tout. On en a parlé à 18h. Il a dit, ok, j'ai compris. Le lendemain matin, je vois un message sur Internet où on dit, Da est accusé de détournement. Et c'est là que je comprends qu'en réalité, le Béninois est ingrat. Quand tu veux offrir un service à un Béninois, il faut facturer ton service. Parce que au fait, en réalité, on fait tout par copinage, on fait tout par sensibilité. Et on oublie même. Parce que moi, c'est ce que je fais d'habitude. C'est pourquoi je ne m'engage pas dans tous les projets qu'on m'amène. Quand je m'engage dans un projet, j'y vais à fond. Je donne de ma personne, je donne de mes relations. Et après, souvent, c'est toujours... Ça ne marche toujours pas. C'est toujours de l'ingratitude. On vous a écouté. On vous a écouté. Par rapport à vos détails, procureur, allez-y. Merci. J'ai quand même deux points à souligner par rapport à l'intervention de l'accusé. Quand il s'expliquait tout à l'heure, il a dit qu'il a mobilisé en fait des ressources pour pouvoir réussir ce concert. Mais il n'a pas mobilisé les ressources pour pouvoir réussir son concert. Il a mobilisé les ressources et on peut supposer que les ressources lui ont été accordées parce qu'il organisait un concert au nom de cet artiste-là.
J'irai personnellement, n'irai peut-être pas demander, ou Dagboto personnellement, n'irai peut-être pas demander le palais des congrès pour un spectacle et l'aurait. Mais s'il n'y a pas. Le poditeur lui-même, le poditeur connaît des gens dans le showbiz. Laissez-moi finir. Est-ce que vous pouvez. Vous parlez au départ d'amateur, d'immaturité. Alors là, si vous parlez de. Vous dites maintenant que la personne, le poditeur est immature dans le milieu, vous pensez qu'il peut encore aller voir quelqu'un? Non, il connaît des gens. C'est pour aller dans Laissez le procureur finir. Laissez-moi finir. Oui. Et donc, quand on sait que toutes ces démarches ont été entreprises, bien que vous ayez le relationnel, ont été entreprises au nom de l'artiste, parce qu'au nom du conseil, donc on suppose qu'en un moment ou à un autre, l'image, l'artiste également a pesé dans la balance pour vous permettre d'obtenir tout cela. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, vous écoutez le producteur, vous écoutez, j'ai entendu. J'ai dit, le producteur lui-même, le producteur porte même mieux sa maison que moi, le manager. D'accord? S'il avait la possibilité d'utiliser les noms des artistes pour pouvoir avoir toutes ces choses-là, il les aurait eues. Et d'accord? À quoi servirait alors? C'est pourquoi à je quoi dis, servirait aujourd'hui, votre rôle de manager? Moi, mon rôle de manager, attends, je ne fais pas des miracles. Le manager. Ces attributs sont clairement définis dans le contrat qui lie la maison à un truc là. C'est parce qu'on aime au Bénin faire des extras. Je connais une maison de production ici au Bénin. Quand ils veulent, c'est parce qu'on se dit on est entre jeunes, on va s'aider pour tous grandir ensemble et on ne tient pas compte de certaines petites choses. Parce que moi, je peux dire, je peux aller négocier parce que c'est mes relations. C'est moi qui connais la personne. C'est moi que la personne connaît. Je peux aller le voir. Je vais te dire, tu me fais ta sono là à 100 000, s'il te plaît. Parce que je veux faire un concert pour mes gars et tout. Il me donne la sono à 100 000. J'envoie la facture de 1 million à mes copodes et je le fais payer. S'il veut organiser son concert, il paie les 1 million. D'accord? Je pouvais faire ça. Déjà. Mais quand j'ai fait les trucs à ce prix, je suis allé le voir. J'ai dit, mon gars, j'ai pu avoir ça à ce prix pour nous. Parce que je me suis dit, on est une famille. Parce qu'on appelait la maison Meko Family, pour ceux qui ne le savaient pas. On appelait la maison Meko Family. Une famille ne livre pas son enfant parce qu'on dit une chose, le linceul se lave en famille. Une famille ne livre pas son enfant parce qu'il y a eu un problème interne sur lequel vous pouvez vous... Parce qu'il y a eu plein de problèmes, d'autres problèmes qui ne me concernaient pas. Je vais vous laisser le soin de rebondir, mais j'ai pris le temps de vous écouter. De laisser le procureur vous poser une question, on n'a pas eu ce qu'on voudrait. Vous ne pensez pas que la démarche concernant l'argent, vous n'avez pas été clair envers Meko Family, que vous n'avez pas été clair dans tout ce qui s'est passé. Les fonds que vous avez touchés, vous avez fait des choses, est-ce que vous avez des preuves, des signatures qui attestent que oui, Jean a reçu, Christophe a reçu, celui-ci a reçu. Est-ce qu'il est informé? Est-ce qu'il a la preuve aujourd'hui? Est-ce qu'on peut quand même dire qu'en fin de compte, il y a eu transparence. Je lui ai expliqué, c'est ce que je vous ai dit. Je dis, est-ce qu'il y a du papier? Les personnes, c'est pas surtout on fait des papiers, on est au Bénin. Si on devait faire des papiers pour tout. Ah, donc au Bénin, on a papier pour tout. Non, on ne fait pas papier pour tout. Justement, d'accord, ça relève. C'est ce que je sais. C'est le problème chez vous. C'est ce que j'étais en train de relever. Qui va vous croire? Qui va vous croire? Qui peut vous croire? Qui peut me croire? Qui peut me croire que j'ai organisé un concert au Palais des Sports à 700 000? Entraîneur, qui peut me croire mieux que j'ai organisé un concert? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème pourquoi de traçabilité? Qui peut me croire que j'ai organisé un concert pour une maison de production sans que la maison de production ne débousse aucun franc? Qui peut me croire? Vous ne pensez pas que vous avez tort dans ce truc-là? Si personne ne peut me croire, je n'ai aucun tort. Vous avez été maladroit, vous n'avez pas brandi des preuves, vous n'avez pas... À un moment donné, personne ne peut justifier. Les preuves que j'ai brandi ici, je vous ai montré des documents. Non, pas ça. Je vous ai montré un document parce que la façon dont le problème a été posé même, ça a été mal posé. Si Meko était un gars qui avait les sous, j'allais la signer en justice, j'allais lui demander de me dédommager. Vous pensez donc il n'a pas les sous? Il n'a pas les sous. Okay. Votre argument là-dessus. J'avais un problème avec Universal Music, qui va me vilipender sur les réseaux sociaux et dire j'ai détourné de l'argent alors que ça a été fait dans ces conditions-là. Je vais les assigner. Non, vous n'avez pas raison parce que vous savez pourquoi? Vous êtes parti toucher encore 1 million. Vous savez ce qu'on appelle détournement. C'est pourquoi je vous ai expliqué. Vous m'écoutez. Vous avez demandé est-ce que vous savez ce qu'on appelle détournement. Vous m'écoutez d'abord. Parce qu'en réalité, devant l'État,
L'argent là m'appartient. Écoutez d'abord. Vous savez, écoutez. Devant l'État, écoutez. L'argent là porte mon nom. Voilà. Demain, quand on va m'assigner, on va m'appeler, on va dire. Parce que c'est pourquoi vous des gens. Parti? Il y a des acteurs culturels qui se retrouvent à la BEF aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là, ils sont allés signer en leur nom. Vous n'avez parce pas que quand été... je suis allé. Vous n'avez pas été honnête. Comment je n'ai pas été honnête? Vous avez touché 1 million par la suite. Eh bien, je lui ai dit ce que à quoi l'argent va se 1 million par la suite. Mais vous faites, ou bien vous faites semblant vous de ne pas m'entendre. Vous m'écoutez correctement vous faites d'abord. Semblant de ne pas calmez-vous m'entendre. Calmez-vous, vous me suivez. Vous avez touché 1 million par la suite. Oui. Que vous je avez, lui ai expliqué vous avez maintenant partagé, ce à quoi ça va servir. Attendez. Vous avez partagé 700 000 francs à certaines oui. personnes. Oui. Dont on ne connaît. On n'a pas de preuve que vous avez partagé. Vous n'avez pas. C'est pas c'est, ça ne vous concerne pas. Il a la preuve. Oui, il a la preuve. Il a la preuve qu'il sait, il est au courant. Mais quoi, maintenant, les 300 000 francs, oui. c'était revenu à vous personnellement. Oui. Parce que quoi? Et je pense que je mérite bien ça. Vous méritez. Oui. Vous ne pensez pas que vous n'êtes je pas... Je mérite plus. Vous, n'êtes pas mal, vous êtes malhonnête? Je ne suis pas malhonnête. Si je devais être malhonnête, si je devais être malhonnête, je vais lui demander de payer pour tous les services qu'il a... Le contrat dit cela. Il ne peut même pas... Le contrat vous dit de prendre 300 000 francs. Le contrat que j'ai avec la Mecoprod... Le contrat est clair, le contrat est dans mon téléphone. Toutes les organisations, tous les événements qui doivent le faire, ils doivent. C'est la maison. Qu'est-ce qu'on appelle une maison vous de n'avez production pas été clair. Qu'est-ce qu'on appelle une maison de production? Procureur, allez-y. Merci. J'ai quand même envie qu'on clarifie un certain nombre de points. Quand vous parlez d'avoir pris 1 million, au moment où vous avez touché les 1 million, d'après votre développement, il n'était pas informé que vous étiez en train de toucher les 1 million. Non. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Et donc, tout ce que vous avez fait derrière pour pouvoir récompenser si telle personne est, ou telle autre personne, même si vous l'avez fait dans son bien, il n'était toujours pas informé. Il était informé depuis le début. Il était peut-être informé. Est-ce que vous suivez la chronologie de ce que j'ai dit? Laissez-moi finir. Je dis avant qu'on fasse le concert. Évitez d'intervenir. Parce qu'en fait, on va vous dire les mêmes choses. On va revenir sur les non, mêmes évitez, choses. Évitez. On va revenir sur les quand choses. Vous parlez, quand vous parlez, monsieur l'accusé, on vous laisse. Oui. Dire. Donc, laissez-nous également aller. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez rebondir ou votre avocat peut solliciter la parole. Si même vous l'avez prévenu au départ, au moment où il fallait faire ce règlement-là, pour qu'il y ait traçabilité, même s'il n'y a pas de signature à avoir, il n'était pas informé. Et donc, il a dû lui-même entreprendre une démarche pour savoir après que vous avez encaissé des sous alors qu'il devait être informé. Et sur votre développement ou dans votre développement, vous notifiez que vous vous êtes excusé dessus. Oui. Donc, il y a mal d'homme déjà à ce niveau. Vous reconnaissez avoir mal agi. Est-ce qu'on est d'accord? Je reconnais de ne l'avoir pas informé d'accord. quand j'ai pris les sous. D'accord. Mais, toutes choses étant égales à part ailleurs, on a déjà discuté de ça. Il sait que les sous devaient servir à quelque chose. Que vous avez utilisé pour une situation exceptionnelle, est-ce que vous reconnaissez une fois encore que vous avez mal agi en ne le lui notifiant pas? Est-ce que vous reconnaissez d'avoir, même si les sous devaient vous revenir pour tous les efforts que vous avez consentis pour cet événement-là, est-ce que vous reconnaissez que vous avez mal agi de ne pas le lui notifier et que ce ne soit pas fait par consentement mutuel? Est-ce que vous le reconnaissez? Non, mais ce que... Au fait, non, répondez déjà à ma question. Que retiens, est-ce que vous reconnaissez que avoir retiens, mal agi? Ce que je retiens, d'accord. Ne vous défilez pas ce devant que la retiens, question, hein, monsieur l'accusé. Que est-ce que retiens, vous reconnaissez vous avoir savez, mal agi? Moi, j'ai toujours là, vous fonctionné. Vous non, je ne me défile pas. Au fait, je vais, répondez je vais à la question. Je vais en arriver à vous répondre. Ce que moi, je retiens dans ce business, parce que tu sais... Vous savez du moins, parce que... Accusé, vous ne menez pas en bateau. Okay. Hein. Vous je savez. Pense que vous avez passé à l'essentiel pour non, qu'on avance. Non, laissez-moi. Vous n'avez vous pas à ce niveau. Laisser on ne pourra pas vous, vous laisser à ce niveau. Vous pouvez me laisser il a posé une question, le procureur a posé une question. Non, c'est pas, on n'est pas à un truc de oui ou non. Votre honneur. On n'est pas à une question réponse de oui ou non. Votre honneur. Vous me posez une question, laissez-moi répondre dans la mesure de mes procureur, possibilités. Procureur, allez-y. Votre honneur, je vais vous demander humblement de bien vouloir le laisser, exceptionnellement pour cette fois-ci. D'étaler son argumentaire, on verra bien s'il répondra et pour la prochaine fois on ne sera pas très clément. D'accord, merci votre honneur. D'accord, merci beaucoup monsieur le procureur. Donc je disais au fur et à mesure que j'ai exercé ce métier, j'ai compris que les gens n'ont pas forcément la même
façon de voir les choses que toi. Tu te donnes à fond, tu uses de tes relations, tu uses de ton énergie, tu fais tout ce que tu dois faire pour que le projet de quelqu'un d'autre réussisse. Parce que en réalité, quand on te dit que tu es une maison de production, ça sort de l'argent, ça dépend sur ces artistes, mm-hmm. ça sort de l'argent pour la promotion, ça sort de l'argent quand ça veut faire des concerts. Et que moi, je suis l'homme providentiel en griffe et que j'arrive à mobiliser des sous d'une manière parallèle pour faire un truc qui va être pour le bien de toute la maison mmh. et de toutes les personnes parties prenantes de la maison, et qu'après, pour des sous sur lesquels, parce que en réalité, déjà, même quand on pose le problème, on dit que j'ai détourné 1 million. Déjà, c'est faux. Parce que l'argent que j'ai reçu, comme je vous l'ai indiqué, c'est en mon nom. On va me prendre demain, vous savez que vous ne dites rien maintenant. Vous nous maintenant, ennuyez. Non, je ne vous ennuie pas. Je vais déboucher sur la réponse à sa question. C'est d'accord. Pour vous dire que moi, oui, je comprends parfaitement aujourd'hui ce game. Et prochainement, je saurai comment faire les choses. Mais pour l'instant. Parce qu'une chose est sûre, si j'avais facturé normalement le concert comme il se doit, on n'en serait même pas à savoir qu'il y a de l'argent qui reste. C'est un échappatoire. C'est un échappatoire, monsieur l'accusé. Parce que vous ne m'avez toujours pas répondu. Est-ce que, premièrement, vous reconnaissez qu'il y a mal donné et que vous avez mal agi, même si vous devez prendre des sous qui devraient vous revenir, que vous ne l'ayez pas fait par consentement mutuel et un mauvais agissement de votre part? De toute façon, vous ne répondez pas toujours. Est-ce que vous reconnaissez que c'est mal agi? Le problème dont on parle aujourd'hui est plus complexe que ce que vous étalez. Non. Vous avez étalé. On se calme d'abord. Est-ce que On peut se calmer. Dans une situation. On peut se calmer et s'écouter. Oui. Je vous demanderai simplement de rester toujours concis et précis sur vos réponses. Ce qu'on veut comprendre, c'est quoi? Le procureur a posé une question. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a eu mal donné? Ok, il y a eu mal donné. D'accord. Merci. J'ai encore une autre question. Parce que quand il y a eu mal donné à tous les niveaux. D'accord. Et du niveau de Mecoprod, en tant que producteur qui ne peut pas sortir de l'argent. Non, c'est déjà. Vous avez ce que vous voulez. Okay. Votre honneur. Oui. Je voudrais quand même faire une certaine plaidoirie. Quand, après que vous soyez engagé, que vous avez pris la décision délibérée de votre propre chef de prendre sur vous toutes ces charges après, et que quand il y a eu cette affaire, vous regrettiez, est-ce que vous-même personnellement, vous ne voyez pas que vous n'êtes pas conséquent dans vos décisions? Première question. Et en second, n'ai pas compris la question. Je vais la reprendre pour vous de façon plus claire. En premier lieu, si vous avez vous-même choisi de mettre votre relationnel pour que cela réussisse, à moins que vous ayez en tête que cela réussisse pour que vous puissiez vous mettre plein les poches et que vous êtes donné pour que le projet, pour que la famille en bénéficie, et que là, vous êtes à regretter. Vous êtes à regretter, en fait, que tout cela vous soit arrivé. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous n'êtes pas conséquent dans vos prises de décision? Parce que vous auriez dû peser le pour et le contre avant de vous lancer. Première question. En deuxième lieu, dès que vous parlez de la Mecoprod, que vous avez apporté des choses à la Mecoprod, est-ce que vous-même, d'un autre côté, vous n'avez pas profité de la Mecoprod? Est-ce que ça n'a pas été un échange? Parce que après, c'est qu'il y a eu des problèmes que nous avons appris, tout ce qu'il y a. Mais au moment où ça allait bien, on a eu vent de quoi que ce soit. Quand vous encaissiez les redevances ou le pourcentage qui devait vous revenir, en ce moment-là, vous jouissez bien de la Meko Family. Est-ce que c'est la Meko Family seule qui a joué de vous, ou vous avez également joué de ça? Voilà les deux questions, monsieur le président. Ok, la première question, pour savoir si je n'ai pas été conséquent, je pense que je suis victime souvent, très souvent, de mon extrême côté passion de la chose. Parce qu'il y a un intérêt. Comme je vous dis, non, il n'y a pas forcément. Non, parce qu'il y a un intérêt. C'est pas forcément parce qu'il y a un intérêt. Ne nous emballez pas parce qu'il y a un intérêt.
Je vous dis, je suis victime de mon extrême passion de la chose. Parce que même dans, en recherche de l'intérieur, je connais des gens dans ce même showbiz qui n'auraient jamais fait ce que j'ai fait. Des aînés, des gens qui me connaissent, qui sont proches de moi et qui ont les mêmes aptitudes que moi, m'ont dit, ah, tu es un con et c'est tant pis pour toi. Parce que tu aurais dû leur faire les factures, leur faire dépenser ce qu'ils devraient dépenser. S'ils avaient dépensé ce qu'ils devraient dépenser et qu'en plein concert, on est venu leur couper la lumière ou bien ils n'avaient pas la possibilité de faire le concert malgré qu'ils l'aient annoncé, ça ne sera pas sur ton nom, ce sera sur le nom de la Mécopode. Mais que maintenant qu'il y a des problèmes, on a mis sur ton nom. Les gens qui ne sont pas là ne savent pas que tu as fait ci, que tu as fait ça. Et c'est en réalité ça le problème. Parce qu'en réalité, au Bénin, on aime faire tout par copinage. Parce que vous m'avez demandé tout à l'heure des preuves sur certaines choses. Je ne peux pas vous les donner. Les preuves que j'ai, c'est celles que je vous ai amenées. Je ne peux pas vous donner des preuves sur telle personne a pris ça. Mais nous tous, on connaît les procédures au Bénin. On sait comment ça se passe. Non, tous, on ne connaît pas. Non, vous, si question, vous ne le connaissez pas, question, les gens qui nous suivent savent comment ça question, se passe. Une question rapide, hein, dites-nous. Je vais finir de répondre. Non, je vais relancer rapidement parce que ça revient. Vous allez revenir sur la question. Dites-moi. Parce que ça va s'embrouiller dans ma tête. Je viens. C'est une relance. Aujourd'hui, par rapport à la question que le procureur a posée, vous n'avez pas encore clairement répondu. Mais j'ai déjà répondu. À quelle question je n'ai pas répondu? Il a posé une question, la première. Je pense laquelle? qu'il va vous la reposer parce que moi, je n'ai pas eu ce que je veux. Laquelle? Procureur, s'il vous plaît, vous allez revenir sur cette première question. Il a essayé d'apporter une réponse, quoique je trouve, en fait, que, comme à son habitude, il a essayé de trouver une gimmick pour ne pas répondre directement à la question. Et ça, vous voulez comprendre quoi exactement? Est-ce que vous reconnaissez qu'à un moment, vous n'avez pas été conséquent dans les choix? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que oui, que je reconnais que je n'ai pas été conséquent vous répondez. Parce que je suis victime. C'est maintenant que vous répondez. Vous n'avez pas dit oui par quelques minutes. Mais si je te dis que je suis victime. C'est vous. Si je vous dis que je suis victime. D'accord, je suis victime de mon extrême passion, passion de la chose. Et que j'aurais dû faire si j'aurais dû faire ça. C'est que je reconnais que quelque part, je n'ai pas été conséquent envers moi-même. Question 2. Parce que, en réalité, si je devais être conséquent envers moi-même, je vais les faire payer. Parce que normalement, c'est pourquoi depuis un moment, quand toi, tu... Vous le rappelez depuis longtemps, vous avez fait payer. Et voulu maintenant sur la question numéro 2. On veut avancer. Ok, d'accord. Question numéro 2. Oui. Quand vous parlez de la Mécoprod, comme si c'est elle qui a beaucoup plus bénéficié. Non, je n'ai jamais dit que c'est la Mécopode qui a beaucoup plus bénéficié de moi. On est parti sur un projet d'apport de compétences. Chacun de nous, c'est un jeune comme moi. Je vois qu'il a de l'ambition. J'ai des choses à lui apporter. J'ai mis mon truc là, mais toute chose étant, on est dans une optique de gagner de l'argent, clairement. Mais je dis, sur le projet concert, d'accord, de la Meco Family, sur laquelle on m'a accusé d'avoir détourné des fonds, je dis que ça ne s'est pas passé comme ça. D'accord. C'est d'accord. De ça que je parle. Mais non, c'est pas que je remets non, en j'ai cause. Compris. Je le remets pas en je cause. Viens, procureur. Je le remets pas en cause ce qui s'est passé. J'ai passé une très belle expérience de carrière et de trucs là avec la Meco Prod. On a fait des choses extraordinaires. On a pratiquement parcouru tous les départements du d'accord, Bénin. C'est compris. On a eu le concept le plus novateur au Bénin. D'accord, c'est compris. Donc, oui. N'allez pas dans les autres détails. Je viens procureur. Oui, je voulais avoir une question. Hein, parce que les minutes s'égrènent. On aimerait bien sûr revenir au troisième chef d'accusation. Mais dites-nous d'abord, vous avez encaissé les 300 000, vous avez remboursé par la suite? Non, je ne rembourse plus. Parce que si je ne peux pas les assigner, je ne rembourse c'est ça, plus. On veut comprendre. Vous avez remboursé. Je ne rembourse pas. Après que le dossier soit maintenant porté au niveau des réseaux sociaux et autres, vous avez adopté quel comportement? Je n'ai pas de comportement à adopter parce que je trouve que c'est moi qui ai été lésé dans cette histoire. On m'a accusé de quelque chose qui n'est pas... Parce que, comme je vous ai dit, l'argent devait servir à quelque chose. Et j'estime que si on part du concept de famille, où on est une famille... Si c'était une famille, vous n'avez pas pris 300 000 francs? Non. Si c'était une famille, vous n'avez pas pris 300 000 francs derrière les gens? Vous n'avez jamais pris l'argent de votre maman pour faire un truc? On ne va pas vous tolérer. Ça, monsieur l'accusé. Non, mais je demande. Vous n'êtes pas en position de demander. Je dis, on est dans une situation où on est une famille. D'accord? Vous avez pris de l'argent malheureusement. Je suis dans une famille, d'accord? Et j'ai expliqué les conditions dans lesquelles les choses sont passées à un membre de la famille. La veille, on s'est entendu. La personne m'a répondu, ok, il n'y a pas de problème. Et le lendemain,
Meta sur les réseaux sociaux. Moi, si c'est ça, si ça devait se passer comme ça, je suis sûr que on va gérer votre trop démarche, de problèmes familiales votre démarche, sur Internet pour les gens. Votre honneur, allez-y. Vous le permettez. Oui. Moi, j'ai envie de revenir sur un antécédent. On a encore une minute pour ça, pour passer au chef d'accusation. J'ai envie de revenir sur un antécédent qui les aurait peut-être amené à vous étaler sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'ils allaient se dire que vous êtes un récidiviste. On se rappelle de cette fameuse affaire d'Infinis. Peut-être que ça a été un agent comptable dans le fait qu'il vous ait exposé sur les réseaux sociaux pour... Pourquoi pas montrer une fois encore que vous adoptez à chaque fois des tenues un peu roublades ou de roubladis. Vous savez, l'affaire, je pense que c'est connu de tout le monde. Quand tu attaques Dada Botor, il y a le retour en matière de réaction des internautes qu'il faut parce que je suis la bête à bord. L'affaire Infinis, c'est une affaire qui n'a en réalité... Je ne vois même pas d'où vient l'affaire. Parce que je vous explique, je n'en ai jamais parlé quelque part. J'étais avec Sonia, parce que j'ai des témoins qui existent, qui sont encore là. J'étais avec Sonia Agbantou. Sonia Agbantou, on était au Pacha. Pas votre avocat. Ouais. Pas moi. On était au Pacha, d'accord. On prenait notre peau. Ils avaient ouvert un coin qu'on appelle Bellagio nouvellement. On ne fait pas de publicité sur auto. Et le gérant du coin qui s'appelle Patrick, qui est aujourd'hui gérant de d'un autre coin. Merci. Sur le boulevard. C'est pas grave, allez-y, allez à l'essentiel. Vous faites toujours de la pub. Le promoteur, le gérant est allé nous voir au Pacha. Excusez-moi. Il nous a dit, il est venu nous voir, il a dit, Sonia vient, j'ai besoin de toi, viens voir le coin et tout, le coin comment. Ah, Sonia vient me voir, Sonia m'a dit, mais d'ailleurs, je t'avais parlé d'un nouveau coin qu'ils ont ouvert, non? Et le gérant veut que j'aille là-bas parce que je dois lui faire une capsule vidéo pour faire tout ça. Il dit, on vient d'arriver ici parce qu'on a quitté l'anniversaire d'une amie. Donc, on était en groupe. Il dit, on vient d'arriver ici, on a commandé bouteille. Laisse-nous finir notre bouteille. Il dit, non, le gars, que c'est l'argent, que de venir, on ira. Je dis, comme c'est l'argent, combien il veut payer? Et j'ai dit, il a l'argent vraiment. Elle dit, il a l'argent. Elle dit, ok, allons-y alors. Donc Sonia m'a pris, on est allé au coin en question, dans le coin en question. On s'est assis. Il n'y avait personne dans la boîte. Il nous a mis dans le salon et il avait mis une bouteille sur la table pour nous. On a fini de débriefer, de parler de comment on allait faire pour que le coin prenne et tout. Et à un moment, on buvait. Donc, à un moment, moi, quand en partant, j'étais avec un club d'amis, j'ai pris une des filles avec moi parce qu'on avait commandé une bouteille dans l'autre coin. Donc, pour qu'elle ne croie pas qu'on va partir après, une des filles m'a suivi. Donc, elle était dans le salon avec moi. Donc, il y avait moi, le Patrick en question, Sonia et la fille en question. Donc, à un moment de la soirée, je m'étais levé pour aller aux toilettes parce que mon ventre a commencé à tourner. Donc, j'ai fait un peu de temps aux toilettes. Il paraît que quand c'est après les faits que on m'a fait ce retour là, il paraît que quand je m'étais levé, il y a une des filles qui sortent la nuit là, qui était venue voir le monsieur Patrick en question, qui s'est assise dans notre salon. Et quand elle s'est assise, elle a laissé son téléphone sur la table. Donc elle s'était levée en temps et partie avant que moi je ne revienne. Donc quand moi je suis revenu, on a parlé, on a fini de débriefer. Parce que quand elle s'est assise à la place où j'étais assis. Moi, j'étais assis à côté de Sonia. Sonia a deux téléphones portables. D'accord? Quand on sort la nuit, comme ça, je prends des précautions avec Sonia parce qu'elle oublie vite ses téléphones portables. Donc, la fille, quand elle s'est levée, elle a sûrement laissé son téléphone sur la table. Elle a sûrement laissé, mais elle a laissé. Elle a laissé son téléphone. D'accord. D'accord? Donc, elle s'est levée. Moi, je suis revenu. Je ne savais même pas que quelqu'un était assis là. Donc, on devait partir. En partant, moi-même, j'avais laissé mon téléphone même sur la table en allant aux toilettes. Donc, on devait partir en partant. J'ai pris mon téléphone. J'ai pris le téléphone de Sonia et le téléphone qui était à côté. Je ne savais pas que c'était. Je pensais que c'était les deux téléphones de Sonia. Donc, on est arrivé au dehors. J'ai remis les deux téléphones à Sonia. Sonia me dit, Ada, c'est quoi le second téléphone là? J'ai dit, c'est pas ton second téléphone. Elle a dit, non, je ne suis pas sorti avec mon second téléphone. J'ai dit, ah bon? La fille avec laquelle j'étais, la fille avait traversé la voie pour prendre quelqu'un. Et je l'ai appelée. J'ai dit, Lydie, ton téléphone. Elle a dit, non, j'ai mon téléphone avec moi. Et j'ai dit, ah, c'est pour qui le téléphone? En même temps, je vois un appel entrant dans le téléphone.
Et je soulève le téléphone, je vois les gars qui sont en train de sortir de la boîte. Ils cherchaient le téléphone apparemment dans la boîte. Donc ils sont venus, ils ont pris leur téléphone. Et le Patrick est venu, il a dit, Ada, c'est avec toi. J'ai dit, ah, j'ai pensé que c'était le téléphone de Sonia. Et je leur ai remis le téléphone. Je suis rentré chez moi. C'est ça s'est passé le dimanche soir. Le mercredi, il y a un gars qu'on appelle Tanguy, un DJ, qui s'est levé. Il était apparemment, quand les gens sont rentrés, il partait à parler après dans la boîte. Donc, il est allé dans la boîte, on lui a dit qu'il y a même une situation tout à l'heure, ils ont cherché un téléphone, je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Donc, le Tanguy en question est allé dans un autre bar la nuit là pour dire qu'ils ont tout à volé un téléphone tout à l'heure, ils ont retrouvé le téléphone avec lui. Et il y avait, parce que, excusez-moi, j'ai l'habitude sur les réseaux sociaux d'attaquer mes amis, nos amis arnaqueurs. Donc, il y avait un groupe d'entre eux parmi eux là qui a pris l'information le mercredi. Ils ont fait photo, ils ont mis plein de choses. Je n'ai rien compris. Et là, vous ne vous reprochez rien. Je ne me reproche rien. Qu'est-ce que je me reproche? On a compris, on a entendu ce que vous avez dit. Donc, après, c'est parti dans tous les sens. Moi, au fait, quand j'ai vu les gens écrire plein de choses, je connais la loi du numéro, j'aurais pu enfermer plein de gens. Mais je me dis, j'ai essayé avec deux cas. C'est les gens, leurs parents n'ont même rien. Ils utilisent Free Basic. Ils vont venir sur les réseaux sociaux t'insulter. Quand tu les amènes devant le procureur, oui. On te demande, les parents t'appellent, on te demande pardon. Ce n'est qu'une parenthèse. On a voulu comprendre un peu, on a eu ce qu'on voudrait. On va rapidement parce que l'heure est en train de partir. On va évoluer dans ce débat, attaquer en quelques minutes le troisième chef d'accusation. Et là, vous nous informez un peu plus. On dit Dada Dagbouto, toujours au cœur des conflits entre acteurs culturels. Là, nous avons 3 minutes. Ouais, je veux aussi déjà plus de précision par rapport à ça. On va citer un exemple. On sait que par le passé, vous avez été manager d'un certain artiste à Dino Le Neve. Et qu'après, vous avez pris également le management de Mutant Comprimédi. On sait après toute l'histoire des bifs qui ont été soulevés derrière. Et d'après les informations que nous avons reçues, vous seriez à la base en fait de cette polémique là, pour ne citer que ça en réalité en exemple. Non, mais l'histoire, le bif Adino Mutant existait depuis que j'étais avec Adino. Le bif existait depuis. Moi je suis quelqu'un, je suis pragmatique. Moi je fais du showbiz, je ne fais pas dans le sentimentalisme. D'accord, j'ai travaillé avec un artiste. À un moment, on a eu des problèmes, on n'est plus ensemble. Son rival, Hans Griff, vient me solliciter, me demande, viens travailler avec moi. Si je trouve une opportunité à travailler avec moi, je la saisis. Je ne refuse pas parce qu'il avait eu un problème avec l'autre avant. Moi, je fais du showbiz, je ne suis pas dans les sentiments. D'accord, donc vous n'avez jamais été au cœur d'un conflit entre artistes. Si c'est cet exemple qu'on me donne, par exemple, ça, à part ça, il n'y a plus d'autres. Je ne sais pas, si on m'accuse de quelque chose comme les élèves... Il a cité d'abord un sacrilège. C'est quoi le second? À vous demander, vous nous demandez oui, le second. Si vous m'accusez de quelque chose, vous devez pouvoir avoir des preuves. Oui, on a dit. Des exemples on à me donner. On a cité un exemple. Eh oui, je viens de m'expliquer par rapport à cet exemple. Donc, vous ne vous reconnaissez plus auteur d'autre chose? Je ne suis auteur que de ce que vous m'accusez. Si vous avez des exemples à me fournir, fournissez-moi des exemples. D'accord. Je vous donne ma version des faits par rapport à ces exemples-là. C'est compris. En tout cas, donc, ça veut dire avec Adino Le Nerve et Coupé Medhi, vous avez voulu manger des deux côtés. Sachant bien que c'était des rivaux, Comme moi, je vous dis, je fais du showbiz. Vous ne connaissez pas mère ni fille, vous allez dans tous les sens. Je ne suis pas dans le sentimentalisme. Vous êtes dans tout. Si je trouve que avec toi, tu as un potentiel que je peux exploiter, que je peux porter quelque part, et que je peux me faire de l'argent aussi sur ce potentiel, et que ça va t'apporter un plus, je pars en collaboration avec toi. Moi, si tu as des problèmes personnels avec d'autres personnes, ça ne me... Quand ils avaient le problème, vous avez fait quoi pour quand même les réconcilier? Je ne suis pas un chef de famille. Vous aimez l'attitude de... Vous êtes un pyromane, vous incendiez. Je ne suis pas un chef de famille. Je ne suis pas Vous préférez, quand pour l'autre ne marche pas, vous allez de l'autre côté.
Ah ben si, c'est sûr, c'est cet exemple seul que vous voulez tirer des généralités, ben c'est bien. Vous aimez quand il y a du sang, quand ça s'affronte pour que vous puissiez en profiter derrière pour faire du business. En fait, ce que j'aime bien que les gens comprennent, c'est que en réalité, les artistes, c'est les artistes eux-mêmes qui choisissent leur manager. Moi, je n'ai jamais appelé un artiste pour lui dire viens, je vais te manager. C'est les artistes qui m'appellent pour me dire j'ai besoin de toi. Si un artiste m'appelle et me dit j'ai besoin de toi et que je trouve que je peux lui apporter quelque chose, pourquoi il va refuser? C'est compris. Nous sommes à la croisée des chemins. Il est l'heure de passer au verdict final. On va écouter maintenant le procureur de cette cour pour son réquisitoire. On peut avoir quintessence maintenant. Merci, votre honneur. Il faut notifier que sur le premier chef d'accusation, celui de savoir si il a un statut dans le showbiz béninois, Dagoto a démontré par A plus B, par les postes qu'il a occupés par-ci et là, qu'il a bien évidemment un statut dans le show business et que même actuellement, il sera en contrat avec un média digital de la place et avec une maison de production. Sur ce chef d'accusation, on proposerait que la cour le déclare non coupable. Et sur le deuxième chef d'accusation, où il lui a reproché de gagner malhonnêtement de l'argent sur le dos de certains artistes en vogue, et notamment le cas du détournement des 1 million de francs CFA au niveau de la maison Mecoprod. Malgré tout l'argumentaire qu'il a développé et malgré qui nous ait prouvé que l'argent était en son nom, on dénote quand même qu'il a mal donné à un niveau, et j'aimerais qu'à ce niveau, la cour le déclare coupable et lui demande de corriger à l'avenir ses prises de décision ou de voir dans quel sens il améliorait son image sur ce plan-là. Et pour finir, au niveau du troisième chef d'accusation, où Adagoto est toujours au cœur des conflits entre acteurs culturels, il nous a également démontré qu'il n'en est rien et qu'il ne fait que du show business. Et sur ce chef d'accusation, nous plaidons pour que l'accusé soit déclaré non coupable. Ce sera tout, votre honneur. Merci à vous, procureur de cette cour, pour le réquisitoire. Alors, on revient rapidement au verdict final, hein, coupable ou non. Premier chef d'accusation, statut, vous êtes accusé de n'avoir aucun statut dans le showbiz béninois à ce niveau. Effectivement, il a tenté d'expliquer, de justifier qu'il fait beaucoup de choses. Il embrasse beaucoup d'activités dans ce milieu à ce niveau également. Il est déclaré non coupable. Deuxième chef d'accusation, il est reproché à l'accusé de gagner de l'argent malhonnêtement sur le dos de certains artistes en vogue. Et là, l'artiste n'a pas du tout été convaincant. On n'a pas eu les informations qu'il faut. Et également, il y a eu des fausses notes qui prouvent aisément qu'il n'est pas clair et net de ce niveau. Donc, il est déclaré coupable. Troisième chef d'accusation, Dagoto, toujours au cœur des conflits entre acteurs culturels. Il a rappelé que lui, il est un manager, il est un homme culturel. Il n'a pas de conflit à crier, ni être mêlé à quelques conflits entre acteur culturel, entre artistes. À ce niveau, il est déclaré également non coupable. En somme, Dagoto est déclaré non coupable, mais on l'invite surtout par rapport au deuxième chef d'accusation à revoir désormais sa manière de gérer les affaires, parce que on a senti qu'il n'a pas totalement été honnête à un niveau donné, et on lui demanderait surtout à l'avenir de changer ses comportements pour se mettre au pas, pour qu'on puisse quand même avoir une meilleure promotion, comme il le fait d'ailleurs, et que les artistes béninois puissent avancer. Qu'est-ce que vous voulez dire à ce niveau, accusé? Je retiens les différentes appréciations de la cour et je vais en tenir compte pour prochaines activités. D'accord, merci beaucoup. On salue également votre avocate. C'est vrai, elle n'a pas été bavarde aujourd'hui. Elle a seulement essayé d'intervenir de manière sporadique, ça se comprend. Merci également au procureur de cette cour. Merci à vous, votre honneur. Remercie toutes ces personnes qui sont restées scotchées à Culture TV, Culture Radio. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Au revoir.